Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur plateforme Non. Et dans mes quoi, c'est toujours Zami nous. Merci Dieu. Moi, porter pour nous une nouvelle vidéo d'information. Ariel Henry est Premier ministre PIA. Et c'est lui-même tout Cap Jewol, président. L'in un problème bien compté, mal calculé. Malgré Ariel Henry dépenser un pile d'argent, n'a pas pour faire lobby pour lui et pour capable sensibiliser communauté internationale là, pour capable voyer militaire venir occuper pays d'Haïti avec un seul grand objectif, rester sous pouvoir. Malgré les papes fait rien, insécurité a ravagé pays a fermé, rien pas fonctionné, mais Ariel Henry avec acolyte Lio, yo voulait pérenniser sous pouvoir. Eh bien, en pile pays qui fait partie du Conseil sécurité Nations Unies, yo pas accepté voyer soldats venir dans pays d'Haïti. Yo dit pas rentrer dans l'obéissa parce que yo pas comprendre bagaille là. Ou gen les États-Unis qui pichon dans banan, li même li déjà dit, li pas voyer soldats. Même les États-Unis dit pas voyer soldats. Eh bien l'autre pays yo dit pas comprendre ça qu'a fait là. Comment les États-Unis qui pichon dans banan, li dit li pas voyer soldats et puis yo même pour voyer soldats, eh bien tout le monde lave mais yo tant coucé Pilate. Ou bien la République Dominicaine, lui-même qui touchait un paquet l'argent, les Noël et Saint-Domingue, tout côté le passé, l'a demandé pour être capable d'intervenir Haïti, venir occuper Haïti, ce n'est pas gratis la fête. C'est lobby la fait pour Ariel Henry. D'ailleurs, Ariel Henry, c'est concombrette, c'est boule green, lui Sabinadel. Ce n'est pas gratis lui fait lobby pour Ariel Henry. En pile l'argent dépensé. Nous pourrons gagner plus de détails sur complot ça que Negio a démarré sous pays pour venir faire blanc rentrer dans le pays d'Haïti pour grand merci. Seulement, nèg yo vle rete sous pouvoir, yo pa itil an yen nan peyi a, insécurité a fini ensemble avec peyi a, mais tout moun te met mouri si c'était pour yo, mais faut que yo rete sous pouvoir. M'a invité nous pour nous capable tande plus détails de information ça. Proposé devant Conseil de sécurité des Nations Unies pour m'aider à voyer une force militaire rapide en Haïti à sur route pour échouer. Selon ça, plusieurs sources révélées par Miami Herald, d'ailleurs, m'a dit, aucun pays membre conseil n'a pas manifesté volonté pour bailler troupes pour capable voyer dans le pays d'Haïti. Après, d'après sa journal américain rapporté, administration Biden n'a pas gardé qui possibilité qui gagnait pour éliminer résolution. Plus de détails. Monsieur, ça c'est un nouveau rebondissement dans le dossier l'armée et étrangère ou bien force militaire étrangère qui te doit rentrer dans le pays. Comme journal là, il y a une vocation en plus de former, tout. Moi, je voulais en si peu de temps essayer d'aider mon yo comprendre le rebondissement ça qui gagne dans le dossier. Force étrangère dans le pays, mais tu dois rentrer dans le pays déjà selon avis en pile monde. Pour nous comprendre le rebondissement ça qui fait dans le dossier ça, il faut que nous fassions un petit bac dans la semaine qui se passe là. Nous allons aller trop loin. Nous allons aller pratiquement dans le dimanche qui était 9 octobre 2022. Nous avons changé. Il y a un communiqué qui est sorti côté Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, qui a adressé une lettre à conseil là pour attirer l'attention sur deux bagages. Pour moi, là, c'est pour te dire, dans le cas Haïti a effectivement gagné urgence pour une force rapide qui déployait pour aider à résoudre un ensemble de problèmes qui méritaient des solutions urgentes. Autrement dit, Antonio Guterres t'a demandé, État membre Conseil des Nations Unies, hein, pour te bailler demande de gouvernement haïtien, hein, pour te bailler demande à Haïti à travers l'équipe Ariel Henry et allié. Ils ont bénéfice de l'urgence. Deuxième bagaille, dans l'état, on a songé, gagner au moins trois scénarios, Antonio Guterres était envisagé. Premier scénario, c'était une assistance technique à la police nationale d'Haïti, qui doit permettre qu'au moins, ils ont gagné capacité et tactique et technique pour répondre à une série d'opérations, et bien, ils ont tas de faire pour combattre l'action criminelle, négatif à faire dans le pays. Deuxième scénario, il était concerné, yon force police internationale qui t'a venu avec des équipements adéquats, des équipements de haute technologie, qui ont des formations dans ça qui vient pour avec anti-gang, qui t'a venu pour travailler avec la police nationale d'Haïti. C'est-à-dire, yon t'a gagné pour
eh bien, vini dans l'unité spécialisée la police, travail avec yo, et sur une période de temps bien déterminée, ou bien de manière progressive, yo tapral et quitter graduellement à mesure que force anime la baye résultat. Troisième et dernier scénario, c'était possibilité pour une force militaire internationale. Laisse ça un État ou bien un groupe État capable d'entendre yo, pour yo voyer troupes, et bien pour constituer une force qui pour venir dans un pays. Et l'autre État membre des Nations Unies qui pas voyer soldats, yo, yo même yo capable de bailler de l'autre support, et qui sont l'argent, la question matérielle et la trier. Et bien c'est sous l'aide ça que le Conseil d'État a réuni au moins deux fois. Et dans différentes réunions, ça, yo, les États-Unis ont deux résolutions qui travaillent sur eux. En première résolution que le travail sur lui qui est supportée par le Mexique, c'est résolution qui était concernée question sanctions contre gang et monde qui financé eux. Mais ces résolutions, ça vendredi passé, le Conseil a été adopté, été approuvé à l'unanimité. Maintenant, une deuxième résolution. Résolution ça, que les États-Unis lui-même ont proposé à Conseil là, concernait force militaire étrangère ou bien force armée spéciale qui a dû rentrer dans le pays, le gouvernement a demandé ça. Et c'est sous ça, Luxon Saint-Ville se présente un reportage. La résolution ça, il y a deux scénarios là-dedans, mes chers amis, amis auditeurs. Premier scénario, les États-Unis, il concerne Yontou, dans le scénario, Antonio Guterres était proposé dans cadre lettre de cadrage l'IA. Ça lié, c'est une force de police internationale. Et deuxième scénario, son force militaire, même genre avec ça que tu dans l'aide Antonio Guterres, côté on l'État ou bien on groupe État membre capable de voyer des forces et bien pour venir en secours ou bien par contre pour venir backup pays d'Haïti dans une situation difficile liée là. Mais qui ça qui est rebondissement? Rebondissement, c'est que bon série de États membres et bien qui dit même faut que c'est sous fiel pour les États-Unis t'as passé pour t'as voyé tout parce que vous pas comprendre ça États-Unis a fait là pour eux même. Gomba qui pas dit, c'est ça que fait, il exige fort question ça, il inscrit nos cadres, il inscrit nos plans, qui clair, qui concret, avant même de passer à vote dans la question conseil là. Parce que il dit, les États-Unis ne peuvent pas décider lui-même, ils ne peuvent pas voir les soldats, et puis la chasse, c'est de l'autre pays qui peut voir les soldats, pendant que c'est lui-même qui a coordonné. N'a pas songé, dans la même résolution, ça, il a été question que les États-Unis, eh bien, ils intervenu dans la question formation, ils intervenu dans la question de l'autre soutien, équipement et autres. D'ailleurs, c'est ça qui était écrit tout dans l'aide Guterres là. On, État membre, qui n'a pas bailli soldat, qui n'a pas bailli troupe, eh bien, il est capable de bailler de l'autre support pour l'argent, l'équipement et la trier. Et les États-Unis, à travers la résolution ça, il était espéré qu'il y ait des pays qui t'apprennent à voyer des soldats, etc. Donc, il n'y a pas de pays qui dit non, pas de question. Il n'y a pas de soldats eux-mêmes qui prennent à voyer dans le ça. D'après le pays, il n'y a pas de qui pas clair dans ça. Donc, les États-Unis lui-même n'ont pas décidé de voyer soldats et puis l'a cherché de l'autre pays qui vont voyer soldats. Donc, sur ce, résolution ça sous d'après Miami Herald, pour qu'on ait un échec. Et il dit, gagner des discussions qu'a fait, Mixon Semis dit là, au niveau des plus hautes autorités américaines, pour qu'on ait est-ce qu'ils vont faire camper sous résolution ça. Donc, pas étonnant, il y a un retrait dans le jour qui vient là, des Américains, en ce qui a trait à cette résolution. Qu'on y a là, qui ça pour nous comprendre? Nous disons ça là déjà, une bataille géopolitique tout cap fait avec question Haïti. Les États-Unis prennent une élection. Et deux partis en face, républicains, démocrates, ils ont toujours capitalisé tout sous politique étrangère là, dans cette bataille électorale là. Qui genre, les États-Unis gèrent une série de dossiers sur le plan géopolitique à l'échelle internationale. Et dossier Haïti, c'est là dedans. Donc, les États-Unis, à mon sens, l'âme salue Patrick Alexis, tu as parlé avec hier. Je ne sais pas quoi intention pour le voyer soldat. La même l'OE, c'est lui-même qui, derrière résolution, tu as voulu gagner leadership là. Je ne sais pas quoi intention pour le soldat là. Parce que, bon, j'en tout, il y a déjà à rire pour la prochaine élection, ça, pour ne pas prendre ça, pour attaquer. Et, en regardant ce qui passe là aussi avec l'Ukraine, dans le cas d'élection que tu as gagné en France récemment, je pense que Jean la France, ou bien Jean-Emmanuel Macron, lui-même, lui gérer question guerre, et là aussi, week-end, les comptes en pile, les pesées en pile dans la balance électorale française. Pour qui ça me dit ça? Parce que après, les gens qui sont en face de nous, après, les gens qui ont fait débat avec nous, toujours, quelle est la position de la France, comment la France est en pays, comment la France gère ça, etc. Donc, pendant que toute tractation diplomatique, ça, pendant que toute divergence
et diplomatique ça au niveau du conseil là par rapport avec question Haïti, question la MEA. Je pense que c'est une opportunité en or qui offre à ni pouvoir ni acteur politique là. Monsieur, son carrefour, si nous aimons pays, il y a vrai pour nous prouver ça là. Parce que pouvoir attendre que Blanc a venu déjà. Et Jean-Baptiste paraît là, ou que comme l'impression, il y a des possibilités pour Blanc pas venir. Au sens que les plus possible pour Blanc pas venir que de venir. Donc sur ce, ou d'accord, problème, c'est nous créer, c'est nous pour résoudre. Donc je pense que là, son carrefour important, j'aime vous dire là, pour ne pas faire politique, pour ne qui n'a pouvoir, pour ne qui c'est autorité, pour ne qui dit qu'il y aurait mes pays avant, hein, yo dit c'est nationaliste, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, monsieur, je pense que là, il faut nous des exemples. Ariel Henry, baron qui l'a le mais ça que certains, c'est les mêmes qui sont au pouvoir toujours. C'est les mêmes qui sont là. Pour le problème qui est là, au moins, on essaie de garder ces gâchis ensemble. Et c'est demande ça, Johnny, groupe ça, qui c'est une plateforme sociopolitique qui est Haïti au parfait avec tout leader, avec dirigeant parti politique, dans une lettre tout l'ouvrir.